Écrit par Nils Asiosmanov, l'édito du nouveau numéro de la Revue du Cube nous renvoie à notre monde en mutation, dans lequel les progrès scientifiques et technologiques effacent les repères et propose donc de se pencher sur l'urgente nécessité de créer un récit commun moderne et un nouveau contrat social dont l'art est un liant historique ainsi qu'un questionneur essentiel. Preuve en est avec The Punishment, une œuvre de Philippe Villas-Boas, actuellement présentée au Cube. Un bras robotique rivé à un pupitre d'écolier, écrit à répétition et en guise de punition préventive, la première loi de la robotique d'Isaac Asimov. Je ne dois pas faire de mal aux humains. L'anthropomorphisation liée au mobilier et à la tâche qui lui est assignée font de la machine le catalyseur des interrogations d'une société à venir où humains et robots cohabiteront. Alors comment éduquer l'humain au rapport empathique que suscite ce nouveau compagnon? Comment éduquer, ou plutôt programmer, le robot pour qu'il trouve sa place dans le récit commun? Dans quel but et selon quel contrat social? Ce sont également les interrogations d'Aurélien Bory, dont l'œuvre Trop beau a été inaugurée récemment à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Dans un entretien paru sur le site telerama.fr le 8 avril, l'artiste et metteur en scène revient sur l'installation, qui voit deux bras robotiques essayer en vain d'assembler des lettres pour écrire le mot « robot ». Dans l'imaginaire commun, les robots sont parfaits, surpuissants, brutaux, efficaces, sans grâce. Avec cette petite faute, je les humanise. Il faut qu'il y ait un pas de côté, un déplacement, un élément qui ne se passe pas comme prévu. Il est évident que ces machines peuvent correctement écrire le mot « robot », mais ce n'est pas l'intérêt, car il faut sans cesse questionner notre regard sur cet univers techno qui nous entoure. Ces propos font écho à ceux de Didier Gusringal, relayés dans un article d'Uzbek Erika le 29 mars. Je pense que c'est aussi notre rôle de faire de la pédagogie sur les nouvelles technologies et de déconstruire certaines peurs. Le directeur de production du Safran, Centre social et culturel d'Amiens, revient ainsi sur la 4e édition du festival Safra Numérique, qui propose une programmation exigeante et surtout accessible à tous autour des arts numériques et lors duquel artistes, chercheurs et ingénieurs sont amenés à collaborer. Tout en présentant certains travaux exposés, l'article décrit le festival comme un espace de démocratisation du savoir et un laboratoire technologique. Les artistes vont plus loin que la simple production esthétique. On essaye de produire de la raison, de prendre le temps nécessaire à la réflexion. Explique Iqbal Ben Kalfala, directeur du Safran. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'est cool. Tu vois, on pourrait tout à fait intégrer un robot à l'équipe. Oui, enfin, faudrait quand même voir à lui faire dire des trucs intéressants.